بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه وارضه. Bonjour. Nous allons étudier succinctement certains versets du chapitre Al-Hajj. Dieu dit, en s'adressant à Satan le maudit, قال هذا الصراط صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان Donc Dieu détermine la voie la plus juste et la plus positive pour les Thakalais. Il a bien précisé les contours de cette voie-là. C'est une ligne bien nette, bien claire et bien nette et bien directe. Mes bons serviteurs, c'est-à-dire les vrais croyants, les vrais musulmans, les vrais mohsinoun, ceux-là, tu n'as pas à les dominer. Ils sont libres, ils ne sont pas aliénés par tes manigances, par tes ruses, par tes perfidies, par tes agissements qui sont sournois. Donc, « Inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin » Sauf les gens qui vont te poursuivre, parce qu'ils sont vraiment des errants, des gens passionnels, des gens qui dévient du chemin laïque. Wa inna jahannama la maw'idum ajma'in. C'est-à-dire que tous ces déviants-là, tous ces renégats, tous ces infidèles, tous ces impies et païens vont avoir la mauvaise destination, c'est-à-dire celle de la géhenne. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ C'est-à-dire qu'ils vont se rencontrer là-bas. Ici, Mou'ud, c'est un rendez-vous, une rencontre. Ce n'est pas un meeting comme on le croit. C'est une mauvaise rencontre et un mauvais accompagnement. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ C'est-à-dire tous ces gens sales, arrogants, menteurs, etc., vont avoir la même demeure. La sab'atu abwab li kulli bab minhum juz'un maqsum. C'est-à-dire cet enfer là, il a 7 portes, alors que le paradis il a 8. La 8e porte, elle est comment dirais-je, pour les gens qui ont fait un bon Ramadan. Elle s'appelle Ar-Rayyan, cette porte là, la 8e. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم c'est-à-dire Dieu a fait que c'est la totalité de ces déviants, de ces mécréants là, elle a été vraiment distribuée selon chaque groupe pour une porte destinée pour entrer par une porte bien déterminée. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات النعيم Quant aux gens qui sont pieux, qui évitent la colère divine, ces gens-là, ils sont dans tous les plaisirs et tous les délices. في جنات النعيم, c'est-à-dire, ils sont dans leur chalet, dans leur castel, on dit en anglais, ou ayoun, c'est-à-dire ils ont beaucoup de sources de liquide comme l'eau pure, comme le miel, comme le lait, comme le vin, etc. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.